Phosphore, je vois quelque chose. Ce doit être l'indice. Où es-tu, Hermès? Montre-toi. Ou alors as-tu envoyé cette mortelle se battre à ta place? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Près du sanctuaire de la guerrière suprême, il y a une décision à prendre. Le trésor n'en fait qu'à sa tête, et celle-ci n'est pas non plus la bonne direction. Et une clé. Phosphore ! Le ciel soit loué, tu n'as rien. Il dit que tu as laissé le griffon s'en aller. Ce qui, à mon humble avis, est une bonne chose. On pourrait croire que se faire transporter dans les airs par un griffon est merveilleux, mais laisse-moi te dire que c'est faux. En plus, je suis allergique aux chats. Eh bien, toute aventure est bonne à prendre. La vie est un apprentissage. Oh, joli! Il a dit « Tu fais une bien piètre guerrière ». Comment trouves-tu cet oiseau à présent? Je m'habitue. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome ? Le nom de la maison du voisin. Il avait tout le temps de nouveaux fils, alors il ajoutait des pièces. Mais comme ils sont tous morts d'une épidémie, c'est devenu une auberge appelée Rome en souvenir du fils aîné. Puisses-tu le mener à Caron ? Oh, mais c'est fait depuis longtemps. Et comme il n'avait pas de monnaie, Cerbère l'a dévoré. Rome, Rome, Rome. Drôle, non ? Oh.
Tu as fait cela en cherchant l'indice, n'est-ce pas, Phosphore? Ah. La beauté de la violence est la poignée dorée habillant la lame du couteau. J'ai entendu ça un jour. Ces pauvres maisons. Tu peux me trouver faible, mais j'essaie de vivre pour autre chose que mon orgueil. Peux-tu en dire autant ? Un indice. Là où vivent les ours sauvages, reposent les richesses du roi Kokalos, attendant de devenir des temples et des jardins, réchauffés par le sang de mon cœur et mes cascades de larmes. Prononce le nom de mon aimé en tournant la clé et tu pourras entrer dans ma salle au trésor.